C'est son premier mandat de peau. Tu prends ton deuxième mandat de peau. L'artiste repose maintenant en paix. Issa Sanogo a été retrouvé sans vie en fin d'après-midi, ce dimanche 27 octobre, dans la commune de Trècheville à Abidjan. Issa est venu, voulait manger du pain. La fin de manger du pain, il voulait boire l'eau. Dans l'eau, il est tombé, il a commencé à baver. Peut-être 17 heures, il est mort. Il aura beaucoup souffert ces dernières années. Dépendant de la drogue, Issa Sanogo, victime du Star System, a régulièrement séjourné dans les geôles de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Il était plus propre, il dormait dans les coins des rues. La fin de Issa a été vraiment tragique. La santé défaillante, c'est un homme émacié, réduit à la mendicité, qui errait dans les rues de Trècheville. Mais depuis qu'il est rentré dans la fête de la drogue, comme il des problèmes, chaque fois qu'il vient chez moi, il dit « Ah, mon jumeau, vraiment, il y a des problèmes, je lui donne au moins 100 points, 200, 100 points pour manger. » Révélé dans les années 80 dans l'émission Première Chance de RTI avec Feu Roger Fulgence Cassi, Issa Sanogo était voué à une destinée glorieuse. Il nous égayait, il chantait très bien, on était contents de le voir. Bon, son dernier, bon, celui qui était un peu en vogue, je prends mon premier mandat de dépôt. Talentueux, le reggaeman avait séduit le public ivoirien avec des titres comme Garabi.